se sent trop bon. Ouais. Ils sentent bon. Ils donnent envie. L'odorat est particulier parce que il va directement stimuler notre cerveau limbique, donc notre mémoire émotionnelle. Ça nous évoque pas forcément quelque chose, mais parfois oui, quand c'est un souvenir, quelque chose. Douceur de l'enfance par particulièrement. Exemple, vraiment la fête foraine. Une tranche de Maccabée. Ouais, mais j'ai peur que ça soit peut-être un peu trop violent. Quoi. Ça dépend. Ça veut dire qu'une odeur nous émeut avant même qu'on en ait conscience. Je vous confirme, ça ne sent pas. C'est pas cette odeur-là. C'est une arme redoutable, puisqu'en plus, comme ça parle directement à notre émotion, ça lève souvent des inhibitions d'achat que l'on pourrait avoir. À la pointe de la botte italienne, une petite région bien connue des nez du monde entier, la Calabre. Sur cette terre plane une odeur d'agrumes. Ici pousse l'un des plus grands classiques de la parfumerie, la bergamote. Tutto bene, Nini. Buongiorno. Alors ? Ça va ? Avete dormito bene ? C'est dormito bene. Camion est déjà quoi ? Si. Rémi Scarpa est négociant en matières premières. Son travail, extraire l'odeur à la source pour la revendre ensuite au parfumeur. L'huile essentielle de bergamote est l'une des plus nobles de son catalogue. Pourtant, à l'origine, ce petit fruit semble sans intérêt. C'est comme un gros citron. Ça ressemble à un gros citron. Au goût, c'est un peu plus d'amertume, c'est un peu plus poivré parfois. Voilà, grazie. C'est amer. Ça n'a pas de goût. Même le jus n'a pas d'intérêt. Il y a eu des essais pour essayer de faire consommer aux chèvres le jus et le lait, et même aux chèvres, aux vaches. Le lait ensuite s'imprègne de l'odeur de la bergamote et il n'est pas exploitable. Cette senteur, si riche, si tenace, c'est justement ce qui séduit les chasseurs d'odeurs. À chaque début de récolte, Rémi Scarpa fait le voyage. Noi siamo bene. Au pied de l'arbre, il peut déjà prédire si la saison sera bonne. Il guette les petits fruits, ceux qui sentent le plus fort, ceux qui concentrent le plus d'huile essentielle. Le chargement se fait à la main, et ensuite on va aller dans la machine qui s'appelle la pelatrice. L'expression sera faite. L'huile essentielle, elle est contenue dans l'épicarpe du fruit. C'est pas le fruit, c'est pas la chair du fruit, c'est l'épicarpe. Exactement comme chez vous, quand vous avez les oranges, tout le monde s'est amusé à les presser, vous avez l'essence qui sort, c'est ça qu'on veut chercher. Et le process s'appelle une expression. Éplucher, filtrer. Progressivement, l'agrume libère son parfum. À l'autre bout de la chaîne, goutte après goutte, l'odeur prend forme, la bergamote en concentré. Vous voyez, ça coule pas beaucoup, mais ça coule. Jolie couleur verte. Vous avez ici, dans la récupération, dans le gros, environ 10-11 kilos. Ce qui représente un peu plus de 2 tonnes de fruits. Et 2 tonnes de fruits, ça représente à peu près une façade de caisse. Enfermée à double tour, à l'abri des regards, l'huile essentielle est conservée comme un trésor. À près de 100 euros le kilo, mieux vaut ne pas en perdre une goutte. C'est l'or vert de la Calabre. Grazie. Voilà pourquoi l'or vert. C'est une note assez complexe, tenace malgré tout, beaucoup plus tenace que le citron par exemple, parce que un peu plus riche. Très difficile à décrire. Parce que autant on peut décrire un goût avec une certaine précision, parce qu'on a tous un goût relativement standard, autant l'odeur évoque parfois des choses différentes pour moi, pour vous, pour les gens qui nous regardent. Et la bergamote, ça vous évoque quoi, vous ? La Calabre. Voilà, ça m'évoque la Calabre. Je peux pas dire autre chose. Quand une odeur,
nous rappelle un paysage. Les senteurs ont ce pouvoir évocateur. Susciter des souvenirs, faire voir des images. Ce principe, certains en ont fait un business. Chaque année, 100 000 bougies parfumées sortent de cette petite fabrique de Provence. Les propriétaires ont misé sur un concept. Vendre bien plus qu'une simple odeur, raconter une histoire. Planter un décor. Le parfum doit stimuler notre mémoire. Aujourd'hui, au menu, nature après la pluie. Alors là, on voit en fait les gros blocs qui sont en train de fondre. Alors une bougie, c'est un peu comme une recette de cuisine en fait. Il y a des ingrédients que l'on doit rajouter à un moment donné, à une température donnée, à la bonne température. On doit être très précis sur la pesée des ingrédients parce que sinon la recette ne prend pas. C'est comme un gâteau en cuisine, ça ne fonctionne pas. Là, on a déjà rajouté le parfum, en fait. Et c'est une odeur, c'est nature après la pluie, en fait. C'est une odeur de sous-bois. C'est l'odeur de la terre mouillée l'été, après un orage. C'est l'odeur d'une balade en forêt, en fait. C'est une très jolie note aqueuse, boisée, qui est depuis des années un best-seller chez nous. Là, on en a six. Chaque année, la collection s'agrandit. La dernière née sortira dans quelques mois. Aujourd'hui, réunion de travail pour choisir son parfum. L'équipe en a déjà fixé le thème. Petit matin sur la Côte d'Azur. Plus aérien aussi. Pour moi, ça fait très vacances. De ce côté, on est au bord de la mer et il y a les odeurs du jardin qui rentrent dans la chambre. C'est là, c'est vraiment les odeurs du jardin. Là, on est toujours reparti sur ce jasmin aquatique qui est très frais. On ne retrouve pas effectivement le côté ombre, persienne. On va aller passer en revue, mais c'est vrai que... Oui, l'idée, c'est quand même de créer un souvenir, un moment. Oui. En fait, il faut trouver la bonne émotion. À travers le nom, à travers l'odeur, à travers la couleur aussi, pourquoi pas. Voilà, c'est une alchimie de plein de petits éléments qui fait que ça va fonctionner, ça va prendre. Beaucoup de grands discours quand la bougie se prend pour un parfum de luxe. Mais au final, pas de recette miracle. Chaque nez est différent. Autant de juges parfois impitoyables. Ben voilà l'hiver. Non, je sens pas le feu, je sens pas la cheminée. Ça marche pas à tous les coups alors. Ça marche pas à tous les coups. Celui-là je sens pas non plus. Par contre là je sens très bien le figuier. Voilà le figuier c'est bien. Est-ce que ça évoque des souvenirs, des choses? Oui bien sûr, des souvenirs d'enfance. Ou alors des souvenirs de l'été, quand je passe à côté de mon figuier, c'est tout à fait ça. Ça nous évoque pas forcément quelque chose, mais parfois oui, quand c'est un souvenir, quelque chose. Douceur celui-là, de l'enfance par particulièrement. Exemple, vraiment la fête foraine. Ça, voilà. C'est clair, c'est la fête foraine. Après les autres, bon, j'ai jamais fait la sieste sous un figuier, donc je sais pas, mais enfin en tout cas c'était agréable, ça c'est sûr. Ensuite. Soir d'été en Provence. Je sens rien du tout. C'est doux. Non, c'est bien aussi. Bah tiens, celui-là aussi, on pourrait le prendre peut-être. Ouais, il est très doux celui-ci en fait. Dans cette ferme isolée, vit un autre amoureux des histoires. Philippe Bordier, inventeur. Son rêve, amener l'odeur au cinéma, faire sentir les images. Dans son atelier, il a imaginé l'enceinte olfactive. Une enceinte olfactive, c'est un peu comme une enceinte IFI. Ça se présente un peu comme ça. Je peux montrer, tout simplement. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et puis, on va venir
lui mettre des petites fioles de base odorante qui sont fabriquées avec notre partenaire. Et on va pouvoir les placer à l'envers, comme ça. Toc. Je mets l'enceinte comme ça. Quelques branchements et la boîte à images devient en plus boîte à odeur pour que l'illusion soit complète. Le film a été encodé, travaillé avec un logiciel de montage spécifique pour synchroniser les odeurs aux images. Alors on a travaillé sur ce documentaire qui était intéressant parce que ce sont des chasseurs de pitons en Afrique. Et nous, dès qu'on peut fabriquer une nouvelle odeur, ça nous intéresse hein, forcément. C'est dans un arbre que Naina, le chef des pisteurs, repère un premier piton. Vous avez l'odeur du piton là, qui n'est pas content du tout. Donc là, c'est l'odeur du piton stressé. Alors, il y a plusieurs odeurs de piton. Il y a plusieurs odeurs de piton. Bon là, il y a une odeur de piton calme quand il est au repos et puis stressé. Donc là, il est en colère. Alors le système odoravision, il permet par exemple dans cette image là d'avoir, je ne sais pas si vous sentez, une odeur, on va dire, de végétation et aussi une odeur de piton. C'est-à-dire qu'on est capable d'orchestrer plusieurs odeurs dans la même image, sans que les odeurs puissent se mélanger les unes dans les autres, et surtout sans aucune rémanence olfactive après. Quoi. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'une fois que la séquence est finie, ou que le film est terminé, il ne faut pas qu'il y ait une odeur de piton qui stagne dans la maison, parce que ça ferait des ordres. Alors, j'ai intérieur de maison, par exemple. Et à chaque fiole, son parfum. Du vieux grenier au bord de mer, en passant par la bonne humeur. Au total, une enceinte olfactive peut restituer une quarantaine d'ambiances. On a des molécules qui cartonnent bien, c'est le cas de le dire. Par exemple, bon, tout ce qui est explosion, tout ce qui est fumée, avec des choses comme ça, par exemple. Voilà, ça, on a des odeurs de fumée qui sont... Wow. C'est presque aussi bon que des vieux Bordeaux, quoi. Voilà. Donc là, c'est une... Alors ça, on fabrique ça à partir de cendres froides. Voilà. Pour la poudre, c'est de la poussière de silex aussi qu'on travaille beaucoup. Quoi. Pour vous, ça révolutionne le cinéma ? Ça ne va pas le révolutionner, mais ça va forcément apporter quelque chose. Quoi. Tous les tests qu'on a pu faire avec du public, les gens nous disent que c'est complètement déroutant. Quoi. C'est déroutant. Alors là c'est notre... comment dirais-je ? C'est notre jardin secret. C'est là où on a... C'est là où on a collé, on a percé, parfois on a pleuré aussi, on a saigné du nez, on a eu mal à la tête, on a fait des tas de choses, parce qu'au départ on n'y connaissait absolument rien, donc c'était vraiment une grande aventure. Alors, comment ça, mal à la tête ? À cause des odeurs ? Non, parce qu'au départ, on travaillait avec des odeurs qu'on trouvait sur le marché, essentiellement synthétiques, et donc on ne se rendait pas bien compte de ce qu'on était en train de faire, c'est-à-dire qu'on... manipulait des choses synthétiques ou des choses chimiques qui, une fois reliées entre elles ou mélangées entre elles, pouvaient refaire d'autres combinaisons. Et ce qui explique que parfois on saignait du nez, parfois... voilà. Et c'est là qu'on s'est dit, à un moment donné, on est sur le bon chemin, mais il faut absolument qu'on puisse s'associer avec des gens qui maîtrisent parfaitement l'alchimie des odeurs. Depuis 4 ans, cet ancien architecte se consacre entièrement à son invention. Des dizaines de prototypes, beaucoup d'échecs, et l'année dernière, un succès... Un premier prix au concours Lépine. C'est le plus grand diplôme qu'on a jamais reçu en surface de papier. Et c'est important les récompenses ? C'est important, non, parce qu'on ne travaille pas nous pour la gloire, on est surtout des passionnés au départ. Mais par contre, c'est vrai que pour l'équipe, parce que je ne suis pas tout seul, il y a une certaine reconnaissance du travail qui a été fait. Il ne faut pas oublier que quand on est parti sur cette idée-là il y a 4 ans, on passait vraiment pour des marginaux. Quoi. Et aujourd'hui, on nous prend un peu plus au sérieux. Mais le cinéma n'a pas attendu notre inventeur pour exciter les narines. Filippo, on va prendre des sacs de pop-corn. Deux sacs pour amener au bar. Un, vous le prenez ? Et on refait du pop-corn. Dans le hall, l'odeur explose. Sucré, caramélisé. On continue à faire du pop-corn. Une odeur de pop-corn ? Pas tout à fait. À y renifler de plus près, celui-ci ne sent rien. Alors ici, on est en train de remplir les sacs à pop-corn. Et comme vous remarquez, mais à la télé, ça se remarquera moins,
que le pop-corn n'a aucune odeur, étant donné que le pop-corn est pré-cuit, donc il arrive froid ici. Et pour donner cette fameuse odeur de pop-corn que vous sentez ici, eh bien, tout simplement, il y a un appareil là-bas que je vais vous montrer, qui est un diffuseur de parfum dans le hall du cinéma. Le système est très simple, vous allez voir. C'est un petit boîtier qui se trouve là, un ventilateur et le parfum qui est diffusé donc par ce boîtier-là est diffusé dans l'ensemble du cinéma et donne une odeur sucrée. Donc l'odeur et qu'on sent ici, le popcorn, c'est une odeur fictive, tout à fait fictive. Le popcorn qui est servi ici n'a aucune odeur. L'odeur que vous sentez là est une odeur tout à fait artificielle. Quand la faim justifie les moyens. Ici, un client sur trois achète du pop-corn. La confiserie, c'est plus de 50% du chiffre d'affaires du cinéma. On continue à faire du pop-corn. Est-ce que je peux vous demander ce que vous sentez? Le caramel, le pop-corn, le sucre. Vous avez envie de consommer? Ben oui, on en prend. Là, vous sentez quoi? Pop-corn. Vous êtes sûr? Je pense. Ouais, non? Oui, je pense. En fait, ce popcorn-là ne sent rien et c'est une odeur artificielle. Artificielle, c'est possible. Vous en pensez quoi? C'est bien joué en tout cas. Bonne simulation. Et ça marche puisque on est là, on achète. On achète comme des cons. Voilà. Je vous confirme, ça ne sent pas. C'est pas cette odeur-là. Donc c'est trompeur, en effet. J'ai senti. Ça ne sent pas. C'est pas cette odeur-là qu'on sent. Notre nez nous pousse à consommer et l'explication est scientifique. L'odorat est le plus archaïque de nos cinq sens. Lorsque cette personne regarde la fleur, son cerveau la reconnaît, l'analyse. Ensuite, seulement, elle sera capable de l'associer à un souvenir ou à une sensation. En revanche, lorsque cette personne sent la fleur, le processus est inversé. Cette fois, l'émotion prime sur la réflexion. Notre nez nous manipule. L'odorat est particulier parce qu'il va directement stimuler notre cerveau limbique, donc notre mémoire émotionnelle, avant même d'aller toucher le néocortex. Ça veut dire qu'une odeur nous émeut avant même qu'on en ait conscience. C'est une arme en termes de marketing et c'est une arme redoutable puisqu'en plus, comme ça parle directement à notre émotion, ça lève souvent des inhibitions d'achat que l'on pourrait avoir. Ça, initialement. C'est une réalité scientifique. Absolument. Absolument. Une vraie réalité. Dans la capitale des senteurs, tout respire la parfumerie. Grasse, temple des bonnes odeurs depuis plus de 4 siècles. C'est ici que nous retrouvons notre bergamote, tout droit débarqué d'Italie. Donc ça y est, c'est arrivé? Ça y est, elle est arrivée ce matin. Donc maintenant, on va faire le prélèvement. On va juste vérifier simplement que le produit correspond bien aux normes internationales en vigueur. On reconnaît bien la couleur vert foncé qu'on a vue sur place il y a quelques jours. Allez, go. Alors on va à l'entrepôt. Et la découverte passe d'abord par les narines. Alors normalement, vous devriez commencer à sentir des odeurs auxquelles nous on est moins sensibles parce qu'on vit dedans. Vous sentez moins bien, vous ne sentez plus? Sur certaines odeurs familières, on arrive, c'est pas de ne pas les sentir, c'est qu'on en fait abstraction presque automatiquement, sinon on n'arrive pas à sentir ce qui nous intéresse. Ce n'est pas des odeurs très puissantes, hein, mais chaque entrepôt a une odeur. Sur les étagères du négociant, plus de 400 produits, plus ou moins rares, plus ou moins chers. 2 euros le kilo pour de l'huile essentielle d'orange, jusqu'à 5 000 pour l'essence de rose. De façon un peu pompeuse, on aime bien tous dire dans l'industrie qu'on a un petit bout du monde, hein, un peu partout représenté. Donc des produits du Paraguay, des produits
de Chine, des produits évidemment d'Italie, d'Égypte, d'Indonésie, voilà. Le monde, tout le monde est un peu réuni là, concentré dans cet entrepôt. Et le voyage n'est pas fini. Prochaine destination, les laboratoires des parfumeurs. Bye. Certains viennent en personne chercher leur commande. Bonjour. Tu vas bien ? Oui. Ah bien. Voilà, donc je présente à tout le monde Monsieur Gigaudeau, oui. Parfumeur, société Nactis Santé Aromatique, et accessoirement mon beau-père, ce qui permet de s'embrasser un peu de temps en temps. Tu dois avoir trois matières premières. Un, deux, trois. Le lentisque. Jean-Claude Gigaudeau, un nez pas tout à fait comme les autres. Et j'ai besoin d'autographe. Ah ben je vais signer ça tout de suite. Bien loin des parfumeries de luxe, lui ne rêve pas de grandes maisons de couture parisienne. Son domaine de prédilection, c'est la communication olfactive, les odeurs au service d'un produit, d'un événement. Parmi ses plus grandes fiertés, le rêve d'un prince arabe, un parfum de neige diffusé sur une piste de ski intérieure en plein désert. Voilà, là on entre dans un lieu qui est un lieu pour moi, le lieu merveilleux, qui est celui où je fais toutes les créations que je développe depuis de nombreuses années. Donc c'est ici que sont pesées les formules que je peux créer. Une formule, ben c'est une feuille de papier, c'est un ensemble de matières premières, et puis ce sont des pourcentages. La formule en cours d'élaboration servira à vendre des voitures. Pour la première fois, le parfumeur crée un logo olfactif pour un grand constructeur automobile. Ce parfum original, composé au compte-gouttes, devra incarner les valeurs mises en avant par la marque. Optimisme, dynamisme. J'essaye un mélange où j'intègre à la fois de la bergamote, du pamplemousse, où j'intègre aussi de la mandarine. Trouver un équilibre qui me plaise et qui pour moi soit synonyme justement de dynamisme. Alors je rajouterai peut-être dans un prochain essai peut-être un côté citron qui va lui donner un petit peu plus un côté aigu, un côté un petit peu plus acidulé. Et comment on fait pour créer ? Comment on fait pour créer ? Eh bien d'abord on apprend à connaître toutes ces matières premières. Apprendre ces matières premières, c'est pas uniquement les noms, ça c'est pour les classer. Mais c'est de se dire, tiens, quand j'utilise une note citron, c'est pourquoi cette note citron, cette huile essentielle de citron ? Parce qu'elle est fraîche, parce qu'elle est acidulée, parce qu'elle est aiguë, parce qu'elle est grinçante, parce qu'au fond, si je la définissais en forme, elle est triangulaire, et si je lui donnais une couleur, ça serait entre un jaune et un vert. Si par contre je passe sur un autre agrume, comme l'orange, eh bien, l'orange, on a quelque chose que moi je vais définir comme étant beaucoup plus rond, beaucoup plus sucré, beaucoup plus doux. Et toutes ces matières premières, j'ai à l'heure actuelle environ 700 matières premières différentes dans ma collection, toutes ces matières premières, je connais toutes les facettes de chacune de ces matières premières. Quand je dis je connais toutes les facettes, je suis très prétentieux parce qu'en fait, et c'est ça qui est le merveilleux dans mon métier, c'est que chaque jour qui passe, j'en découvre de nouvelles de facettes. L'apprentissage est permanent. C'est une des caractéristiques de l'odorat. Rien n'est inné. Notre nez se façonne au fil du temps. Quelques semaines plus tard, Jean-Claude Gigaudeau a rendez-vous en Belgique, chez le constructeur automobile pour lequel il crée le logo olfactif. L'enjeu est de taille, concentration maximale. Ce matin, il vient présenter le résultat de son travail. Plusieurs créations, parmi lesquelles il va falloir choisir. Mais avant toute chose, petite leçon de vocabulaire. En matière d'odeur, mieux vaut guider les néophytes.
quand on parle d'odeur, il y a une grande réserve de la part de beaucoup de monde, parce qu'on n'a pas une éducation olfactive, alors qu'on va avoir une éducation dans plein d'autres domaines. On ne sait pas souvent parler d'odeur. Donc quand on pose la question à des gens non initiés, qu'est-ce que cela sent ? Ben, la réponse, en règle générale, ça sent bon ou ça sent mauvais. Et si on pousse un petit peu pourquoi ça sent bon, il faut vraiment amener les gens à se détendre et puis à faire appel à leur mémoire olfactive. Parce que qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on peut parler d'odeur ? C'est tout ce que l'on a vécu. Tout notre vécu, il est là, il est imprimé, il est derrière, il reste très présent. Seulement, on n'a souvent pas les mots pour l'exprimer. Et donc, ce bon ou pas bon, on peut aller au-delà. Pourquoi c'est bon ? Pouvez-vous me dire un petit peu est-ce que ça vous rappelle quelque chose ? Et là, quand on pousse les gens petit à petit, ils vont arriver à dire, bah, tiens, ça me rappelle une période peut-être désagréable, ou au contraire une période agréable où j'étais en vacances, où j'étais avec une grand-mère, où on se baladait dans le grenier, ou au contraire on était à la campagne. Et là, petit à petit, toutes ces choses sont en train de ressortir. Donc elles ressortent avec des mots simples, parce que le but du jeu, c'est que tout au long de la chaîne, on arrive à toucher le public, très simplement et de façon forte. Ça, c'est très important. Attention, pas trop sentir parce que l'alcool fait que... Mais aujourd'hui, le nez à convaincre appartient à cet homme. C'est un des directeurs marketing de la marque. Rapidement, les odeurs parlent. C'est une odeur... séduisent. Mmh. Ouais, je prends un certain... oui. C'est intérieur, au moment où, je veux dire, on déballe la voiture quand elle sort du camion. c'est vraiment très difficile, c'est beaucoup plus... on découvre. Subjectivité. Exactement. Total, oui. Voilà. Merci. Merci. Ça doit être moderne, ça doit être agréable, ça doit être optimiste. Et donc, c'est vrai que de retrouver les odeurs qui correspondent à ça, c'est quelque chose. Est-ce que vous voulez qu'on aille sentir les deux ? Oui. Ouais. Et le parfumeur sort le grand jeu. Il faut sentir en condition, au plus près des véhicules. Le parfum sera diffusé pour la première fois lors du salon de l'auto à Bruxelles. Là, on discute beaucoup, vous analysez, mais est-ce que les clients vont avoir cette réaction ? On aura le verdict, on espère en tout cas, mais on fera les remontées d'informations qu'il faut pour qu'effectivement on ait cette expérience qui est une première. On en espère beaucoup, mais on est très optimiste aussi. Le chef, lui, semble un peu plus réservé. C'est 5, ça, ou c'est 1 ? Ça, c'est 5. Le deuxième essai sera le bon. Bah, moi, je trouve ça plus sympa. C'est moins agressif. C'est pas mal aussi. Ce qui va être formidable, c'est de savoir que tous les ceux qui visitent vos confrères tout autour du stand Peugeot vont être en fait attirés et vont délaisser. J'ai la garantie de satisfaction. Paris gagné, c'est officiel. La marque a maintenant son logo olfactif. Premier test dans quelques semaines. À bientôt, voilà. En tous les cas, et peut-être à la mi-janvier. Oui, tout à fait. Okay. Merci de votre accueil. Ce jour-là, notre inventeur amoureux de cinéma a lui aussi un rendez-vous. Pour sa télévision olfactive, il a besoin de nouvelles odeurs. Aujourd'hui, il vient passer commande. Hello Mike. Monsieur Bornier, ça va ? Ça va ? Je suis venu accompagner. Oui. Ouais, je t'en prie. Mike, c'est Michael Moiseff. Sorte d'alchimiste des temps modernes. Savant fou, un peu poète. Lui s'est choisi le titre de sculpteur d'arômes. Dans son antre, 3000 odeurs, des plus familières aux plus atypiques, agréables ou non, peu importe. Le maître des lieux met le monde en flacon. Donc ça, c'est mon tigre. D'accord. Alors attends, je vais te chercher le... On va bien en avant. Alors est-ce que j'en ai encore ? On peut partir au sujet de la girafe, remarque, si tu veux. Plus... Non, on va mettre girafe, lui direct. La girafe. Non, regarde. Donc, tu envoies ton tigre. Donc là, il est sur la piste. Hein, parce que s'il était dans la cage, on y mettrait un petit peu de la paille qui est avec toi. Non, mais vas-y, prends le genre. Attends. Et attends qu'il arrive, parce que si tu le sens avant, ça va pas donner une bonne chance. Ah, c'est du faux, mon gars. C'est pas...
Ouais, mais c'est vrai que... Voilà. Ouais, il va bien faire. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais en plus, son relief... Tu sais à quoi ça me fait penser, ça? Au remorque. Non. Ça se sent mettre content. Vous bon. Pouvez nous la décrire, cette odeur, là? Comment bah, c'est une odeur de fauve. On ne peut pas décrire les odeurs. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des gens comme Bordier, là, je ne peux pas vous décrire. Si vous voulez, je peux utiliser des mots, des termes. Ça devient, comme c'est essayer de dire à l'indicible, ça s'appelle de la poésie, un usage du langage pour décrire l'indescriptible. Mais la poésie appartient à celui qui la perçoit et qui va l'interpréter. Mais il n'y a pas de langage de l'odeur. Si je vous montre, je pense, ça, c'est facile à décrire. On va décrire la forme, on va décrire la couleur, on va décrire la taille, les objets constitutifs. Maintenant, pour décrire une odeur, qu'est-ce que vous avez utilisé? Bon, on peut dire que c'est une odeur animale, assez puissante. Mm-hmm. L'intensité, bon, ça envoie ce qu'il faut. Mais pour toi, c'est ce qu'il te faut. Celle-là, j'achète. Après, si tu veux, sur l'alligator, j'ai du cadavre. C'est pas trop ma favorite. Hein. En plus, faut l'odeur de cadavre, c'est pour l'haleine de l'alligator, un charognard. Qu'est-ce que j'ai foutu du cadavre? Tu vois, j'ai pas mis devant parce que c'est pas... Non, mais plutôt une odeur de cadavre sympathique. Quoi. Non, il n'y en a pas, ça, du cadavre sympathique. Enfin, pas pour moi. Petite tronche de macabé. Ouais, mais j'ai peur que ça soit peut-être un peu trop violent, quoi. Ça dépend. Moi, pour moi, c'est très violent. C'est la seule odeur que j'aime pas. Dans comment vous avez fait pour avoir une odeur? Là, on distingue, on travaille pas sur des cadavres. Là, on est parti de résultats d'analyse. Donc, on a identifié les molécules qui participent à l'odeur de cadavre. Elles sont connues, cadavérine, putréfactine, avec des noms évocateurs, triméthylamine. Et voilà, donc on travaille. Et curieusement, ce sont des odeurs qui impactent mentalement, mais alors qui sont pratiquement complètement inoffensives. Si vous voulez, toutes les références au niveau moléculaire, c'est cette bibliothèque. Plus maintenant avec Internet. Moi, je suis connecté avec 400 collègues dans le monde entier. Donc en permanence, parce que c'est une science qui évolue, qui est en train d'exploser littéralement. Quand j'ai commencé il y a 30 ans, on nous prenait vraiment pour des gens sympathiques et gentils, mais bon, pas vraiment utiles. Ben là, on va. On va au jardin. Le jardin, l'autre source d'inspiration de Michael Moiseff. Et là, attention à la tête, hein. Détour incontournable pour celui qui, à l'origine, est docteur en biotechnologie végétale. Ben voilà. Alors, il y a les gens du pays qui arrivent ici disent « Mais il y a plein de mauvaises herbes, on va vous aider à nettoyer. » Mais je leur dis « Mais foutez-leur la paix. Ouais, » Vous avez ça pousse partout. La plupart des gens ne savent même pas ce que ça sent. C'est le géranium herba robert. Vous voyez, c'est très joli en plus, très découpé. Moi, je trouve que c'est vraiment une plante qui est d'une grande beauté. Bon, ben, si vous frottez ça, ça sent la peau de poulet. Vous savez, quand vous faites griller les petits pois, là, vous avez fini de le plumer, sur le gaz, on fait ça chez nous. Ça sent ça, donc c'est un peu étonnant quand même. Alors, vous avez celle-là, par exemple. Elle sent la pizza. Mais sinon, il y a celle-là qui est une odeur intéressante. Sinon, t'as celle-là en ce moment, là. Moi, je trouve qu'elle en voit bien. Sinon, t'as ça, là, qui est sympa. Il y a celle-là, là, qui a une odeur. Et là, on va aller à la serre. Je vais quand même vous faire sentir un truc. Comment je me sens? Élégante. Comme le parfum sensuel, son parfum subtil me transporte dans un monde de diamants blancs et de fleurs de lotus. Glamour. Si vous aimez l'irrésistible parfum, dites-vous bien que d'autres pourraient le trouver tout aussi... Ou humour. Irrésistible. Quand les odeurs du jardin deviennent arguments de vente. There are flowers in my room and you don't need a job. They just need time. Le parfum, cheval de bataille des marques de lessive. Une des clés pour remporter un marché qui pèse aujourd'hui en France plus d'1 milliard d'euros. Car dans l'imaginaire collectif, un linge propre, c'est un linge qui sent bon.
Plus de la moitié des consommateurs reniflent le produit avant de l'acheter. C'est important l'odeur quand on choisit une lessive ? Pour moi, très important, oui. Pourquoi ? Parce que j'aime bien sentir après l'odeur sur mes vêtements. Et alors, ça, quelle odeur, l'odeur de Croix ? Ça sent très bon. Pour moi, ça sent un mélange entre le bébé et puis... ça sent bon. Ça va sentir le sucré, l'agréable. Agréable. Des odeurs de champ, de nature, de fraîcheur. C'est Bouquet de Provence. C'est l'été, c'est la fraîcheur, c'est les vacances, voilà. Et ça incarne le propre ? Carrément. Bienvenue chez le leader incontesté de la lessive. Ici, travaillent les plus éminents spécialistes de l'odeur de propre. Des parfumeurs spécialisés qui ne laissent rien au hasard. Pour évaluer les senteurs, ici on fait tourner des machines toute la journée. Chaque paramètre doit être pris en compte. Ici, on a des machines européennes, mais on a également quelques machines américaines. Et vous allez voir qu'elles sont tout à fait différentes des machines européennes. Elles sont déjà beaucoup plus grosses, donc on a un volume d'eau beaucoup plus important. Et elles tournent tout à fait différemment. L'agitation est beaucoup moins forte que dans une machine européenne. La température de lavage est beaucoup plus basse. L'eau et la dureté de l'eau est différente et tout ça a un impact, absolument. Même le même parfum qui est lavé dans une machine américaine ou dans une machine européenne, la déposition sera différente, c'est-à-dire la quantité de parfum ou de produit qu'on va laisser sur le linge sera différente et ça aura un impact sur l'intensité et même le caractère du parfum. Dans ces laboratoires sont imaginés les parfums des lessives de demain. Et comme toujours en matière d'odeur, il faut parler à la mémoire émotionnelle du consommateur. Car finalement, pour beaucoup, l'odeur de propre, c'est avant tout l'odeur du linge de maman. Boisé. C'est très propre. Ouais. Et celui-ci, très frais et plus floral aussi. Celui-ci, je le mettrai en deuxième au niveau intensité. Le caractère aussi est bon. Et le troisième, ça, c'est pour moi le plus faible. Le côté fruité donne un côté un peu... moins propre. Ouais. Et un peu collant, en fait. C'est vrai que c'est important que ces nouvelles idées soient à la fois... suivent les tendances, mais éveillent aussi des émotions en fait chez nos consommatrices. C'est-à-dire qu'il y a certaines notes qui leur soient familières, qui leur rappellent quand elles étaient petites ou qu'elles étaient enfants, la lessive, l'adoucissant que leur maman utilisait par exemple, ou la lessive que la grand-mère utilisait, qui sont pour la plupart du temps finalement des bons souvenirs. Et les sens de l'olfaction étant un des sens les plus fidèles, on a souvent du mal en fait à mettre des mots pour décrire ce qu'on sent, mais on se souvient de ça me rappelle telle ou telle période de ma vie, tel ou tel moment ou telle ou telle situation finalement. Donc il faut innover mais pas trop non plus. Absolument, il faut connaître un peu Et par exemple ici où j'ai essayé de rendre ça un peu plus fruité, selon moi je suis allé trop loin. Mm-hmm. Et la ménagère ne va pas reconnaître ça comme un produit de lessive. Elle n'attend pas que ça sent la pomme. Pour laver plus blanc que blanc, il faut avoir du flair. Chaque type de produit a ses exigences. Donc ici, on va entrer dans la partie nettoyant ménager, tels que les liquides vaisselle, les nettoyants salle de bain. En fonction du type de produit, donc on va nettoyer le sol, on va nettoyer le carrelage. Et ensuite, une fois que le produit est utilisé, on va venir sentir toutes les heures pour éviter d'avoir des odeurs extérieures. Et on va venir sentir et on va donner une note finalement à chaque parfum en fonction de son intensité et décrire le caractère. Parce qu'il faut que ça sente dans le temps. Absolument. En fait, le consommateur, l'odeur de propre, quand on nettoie, on a une bonne odeur, mais on veut que ça reste. Quand la famille rentre le soir et tout le monde arrive à la maison et dit « Waouh, maman, ça sent super propre », c'est quand même quelque chose qui est une bonne récompense, finalement, pour la mère de famille qui a passé toute la matinée à nettoyer. Des salles de bain en miniature et des cuisines en enfilade. Par exemple, on a un produit liquide vaisselle et on est en train de nettoyer des assiettes. Donc tous les stades finalement sont importants. On évalue l'odeur au moment du lavage, c'est-à-dire le parfum qu'on va sentir au moment où on fait la vaisselle. Et ensuite, même principe que pour les salles de bain, on va refermer la porte et on va venir évaluer au moment du séchage de la vaisselle. On va venir sentir en fait dans les,
dans les petites kitchenettes. Okay. En blouse blanche, faire la vaisselle devient scientifique. La rigueur des nez au service des détergents. Aujourd'hui, ce géant de l'industrie est le plus gros producteur de parfums au monde. Des phéromones sur Internet. Depuis quelques semaines, ce site de rencontre suisse propose aux célibataires de trouver l'âme sœur grâce à leur nez. Car finalement, pour s'aimer, encore faut-il pouvoir se sentir. Pour flairer le prince charmant, il faut d'abord réaliser un test. Un procédé mis au point en collaboration avec des scientifiques de l'Université de Lausanne. Le principe, déterminer son profil olfactif à partir de sa salive. Alors la personne, la célibataire reçoit donc le Kimetsu Check à la maison. Là, il y a la petite fiole où il faut saliver à l'intérieur, ce que je vais faire. Voilà. Voilà. On le pose ici. On prend le test. On le pose dessus. On a donc le résultat. Vraie révolution de la rencontre online ou simple pif gadget. Pour le site, c'est surtout l'occasion de sortir du lot, marquer des points dans un marché en pleine expansion. Voilà. Qu'est-ce qui vous a séduit en fait dans ce... C'est cette dimension additionnelle qu'on amène au web, c'est-à-dire que quelque part le web, il y a le visuel, on peut même pas parler de tactile puisque voilà, mais immédiatement on s'est dit ça c'est quelque chose de sympa d'amener une dimension, un sens supplémentaire à cet outil qui est le web, et on s'est dit il y a quelque chose à faire. Sur le web, souvent c'est un peu le monde à l'envers par rapport à la rencontre. C'est-à-dire, on sait d'abord tout sur une personne. On l'a vu sur la photo, on a parlé avec la personne, on sait qu'on s'entend à ce niveau-là. On sait les loisirs, les goûts musicaux, et j'en passe. Par contre, cette notion humaine, finalement, de la réelle rencontre, elle n'y est pas du tout. Et le chemistry check, ça amène finalement ça déjà sur Internet aussi. Le grand, grand moment, je vais... Une fois le test effectué, avec mon profil. La machine doit vous dire si vous êtes olfactivement compatible avec votre prétendant. J'ai un perfect match. Alors l'amour, une question d'odeur. Les scientifiques en sont à présent convaincus. Moi, j'ai des patientes qui, notamment, sont anosmiques, donc ça veut dire qu'ils ont perdu totalement l'odorat. Et la première chose qu'ils disent, c'est j'ai moins envie de mon mari, j'ai moins envie de ma femme. Et j'ai surtout l'expérience d'une anosmique qui a récupéré l'odorat et qui a trouvé le plaisir de dire « j'ai ressenti mon conjoint ». Je pense que dans l'attirance sexuelle, l'attirance par l'olfaction est fondamentale. Fondamentale. Je pense que si on ne ressent pas l'odeur corporelle d'une personne, on ne peut pas avoir de plaisir. Donner du plaisir, susciter l'émotion. C'est les odeurs de fauve et d'alligator. Ça, c'est justement l'ambition de Philippe Bordier. Et tout particulièrement aujourd'hui. Alors il y a celle-là, mais il y en aura peut-être une autre. C'est pas forcément celle-là qui va fonctionner. Enceinte olfactive sous le bras. Il vient présenter son invention à une petite société de cinéma en relief. Vous avez bien reçu notre film. Pour l'occasion, le propriétaire a même invité quelques amis. Alors, dites-moi. Donc, le film, on va le diffuser de cette manière-ci. Donc ça, c'est le film qui a été encodé par chez nous. Voilà, avec le système olfactif, tout à d'accord. Fait. Donc on a une image pour le gauche, une image pour le droit. D'accord. Les deux sorties nous se font en VGA, retenu au projecteur. D'accord. Avant la projection, quelques ajustements sont nécessaires. Voilà. Ici, on bricole le cinéma de demain. Ok. Alors, que je me souvienne un peu du truc, donc...
que le problème, c'est qu'entre ce qu'on a comme odeur et la programmation qu'on a faite, on a changé les choses hier soir. Donc, oui. Non, c'est suite à cette odeur d'alligator qui était... Déjà que le relief, c'est vrai que le relief, dans certains mouvements de caméra trop rapides... Alors, je l'ai amené avec moi, mais on ne va pas la diffuser. Parce que je pense que tous les gens vont être malades, quoi. Ça va être aussi simple que ça. Plus question d'odeur de cadavre. Pour l'alligator, notre inventeur s'est rabattu sur une ambiance marécage. Plus soft, du moins en théorie. Ah, il y a une odeur oui. Là. Alors, effectivement, je ne sais pas ce qu'il a mangé, j'ai mis du croco. Voyons. Il va falloir qu'on lui remette. Ah, vous sentez l'odeur de menthe, un petit peu, hein, mentholée. Les squelettes de cristal, là. Exact. Si on voit de l'eau, là. On peut associer effectivement le cordement. C'est mieux que le crocodile. Oui, oui. Alors, sur la menthe. Ah, ça y est. Oui, alors pendant le film, ce que je ressentais, j'étais avide de sentir des odeurs. J'avais qu'une hâte, c'était d'avoir la suivante, quoi. Hein, c'était très intéressant. Et on se dit, on essaye d'ouvrir nos sens. On respire à plein nez pour essayer de capter tout ce qui peut arriver, quoi. Alors parfois, on attend, ça ne vient pas. Parfois, ça vient avec un petit retard. Parfois, ça vient avec une petite avance. Mais c'est quand même assez intéressant. Et c'est un vrai plus. Je pense, oui. Avec le relief, c'est un vrai plus. Je pense, oui. Parce que c'est déjà un sens de recréer la vision relief. Recréer en plus l'odorat, c'est quand même formidable. Avec le cinéma aujourd'hui, il y a des films qui sont magnifiques, l'image est très belle, le son est très très beau, mais ça a perdu le charme, quoi. Ça a perdu. Moi, je me souviens quand j'étais petit, aller au cinéma, ça se préparait déjà presque un mois avant, quoi. C'était vraiment le truc. Alors qu'aujourd'hui, on va voir 5 films dans la même semaine. Donc peut-être qu'avec ces choses-là, avec le relief, avec le 3D, et puis avec les odeurs, on ira voir un film particulier qui sera typique par rapport aux autres films, quoi. Et j'espère que les gens pourront en sortir avec de l'émotion en plus et puis une envie de revenir voir des films comme ça qui sont un peu différents, quoi. À Bruxelles, le salon de l'auto vient d'ouvrir ses portes. 600 000 visiteurs vont défiler en quelques jours. 600 000 clients potentiels qu'il va falloir séduire. L'occasion rêvée pour cette marque de tester son tout nouveau logo olfactif. Là, on va aller sur la partie multiservice qui se trouve là-bas et on verra ce que ça donne. Le directeur marketing supervise en personne l'opération. Il y a quelques semaines, c'est lui qui avait sélectionné le parfum censé incarner l'optimisme. Aujourd'hui, il en est plutôt fier. Tu vois, ouais. Ici, tu sens, on commence à le sentir, ouais. Tu vois, donc on est très délicat, ouais. Doucement, là on commence à sentir, donc on quitte les odeurs, je veux dire, du reste du salon et on arrive vraiment dans la fragrance Peugeot Optimiste. On va arriver dans la zone d'attente. Pardon. Ça se fait de plus en plus présente. Donc là, on a ici la zone d'attente avec le diffuseur qui se trouve derrière le comptoir qui est derrière moi. Et on a là la zone de travail dans laquelle on va passer maintenant. Et on sent qu'ici, la fragrance est moins présente. Et ça, c'est vraiment une volonté. C'est-à-dire qu'on utilise cette fragrance vraiment sur l'endroit où les gens vont passer du temps, vont devoir patienter. Une diffusion stratégique. Le parfum doit servir à amadouer les futurs clients. L'air de rien. C'est une bonne chose, je pense. Vraiment efficace pour vendre des voitures. La marque, en tout cas, veut y croire. Le logo olfactif pourrait bientôt être diffusé dans toutes les concessions du pays.
pendant très longtemps, on parle aux 3 ou 4 sens. Il y a un des sens qui n'a jamais été, entre guillemets, exploité. Voilà, cette mouvance est intéressante. C'est un test, encore une fois. On en attend beaucoup. Ce ne sera pas l'unique outil de communication. Ça fait partie du mix. Ça va se développer. Enfin, ça fait 15 ans que ça existe. Si ce n'est que techniquement, ce n'était pas au point. Ça commence à le devenir. C'est une nouvelle technique. Testons-la, tirons les enseignements et avançons. À la conquête du consommateur de demain, par le bout du nez.